Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes Exebus, et nous voilà repartis pour la suite de Keeper RL. On va essayer de commencer à faire réellement notre fort. Je pense qu'il faudrait qu'on foute les entrepôts par là en fait. Ça me paraît une bonne idée. Alors, d'un point de vue ressources, 170 en roche, 734 en iron. Et on peut faire des carpettes. Yes! Il déteste les elfes. On a combien là en effectif? On a 13 sur 16. Pourquoi je peux pas le recruter? Il manque un lit. On va faire un lit. Luxurious bed. Ici. On va faire des lits même. Hop là. On va mettre des petites portes. Voilà. Hop. On va mettre du tapis, on va mettre du sol. Bois, un joli petit parquet, du plus bel effet. Hop là. Ah, on peut mettre aussi dessous. On va mettre dessous. Parfait. Et j'aimerais bien que ça soit priorisé par contre. Ça me permettrait d'avoir, voilà, ce monstre. Il déteste les elfes, ça me va très très bien. Ils sont en train de faire les chambres, ça c'est cool. On va mettre une petite porte en fer ici. On va mettre les entrepôts en ressources là. Ouais, mince, excusez-moi. C'est vrai que c'est pas automatique les zones. On va supprimer ces zones là, le storage, voilà, au fur et à mesure elles vont se vider toutes seules de toute façon. Donc ça c'est en train d'être fait. Legendary skill level forge, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal, on a deux gobelins, forge 60. On va le prendre. On le voit où son trait. Ah mais il est fou. Super. On va voir si on va devoir le bannir ou pas. Ou s'il attaque. De toute façon il va vite être calmé. Ouais, d'accord, ok. Il s'est fait démonter. Ça c'est fait. J'ai pas encore de cimetière. On va le faire ici, le cimetière. Storage. Graves. Parfait. C'est bon, ils arrivent. On va pouvoir le foutre là. Alors maintenant on va continuer à faire du développement. Ça c'est lié à la bouffe. Ça c'est lié à la bouffe. On va faire une salle des prisonniers. Est-ce
qu'on va faire, c'est ça. Hop. Ouais, ça me paraît pas mal. Sauf qu'il faudrait qu'on fasse comme ça. On met au centre, on met des prisonniers sur les côtés. On va voir si on peut pas en faire d'autres. Non, ça fonctionne mal. On va juste retirer cette zone. Hop. On va retirer cette zone. J'arrête pas, hein. J'ai toujours l'impression que c'est clic droit qui va me permettre d'annuler le dernier ordre donné. Voilà, c'est pas mal. On mettra une porte par prisonnier. Et en fait, ils vont avoir le droit chacun à leur petite table de torture. Là, il va falloir qu'on enlève tout ça. On le fera après. Il va falloir qu'on explore ici, si jamais il y a un nain, on est à combien? On est à 14 sur 16. Ça va être temps d'accès max quand même. Il faut qu'on arrive à augmenter un petit peu notre nos pouvoirs. Parfait, ça avance. On a quelques mages là, ça c'est cool. On a 15 sur 16, on peut encore avoir une seule personne en plus. Et je pense qu'il faudrait qu'on explore un petit peu là, on a quand même pas mal de monde, ça nous permettrait d'aller poutrer un petit peu. Hop, la prison. Ici. Et tac. Hop, hop. On va mettre des portes. Hop, on met des portes. On met plein de portes. C'est dommage qu'on puisse... Ah si, on peut mettre une double porte comme ça. Ça, c'est parfait. Il va falloir qu'on mette des pièges un peu partout. On va se faire une petite gate, mais en iron. Ici. Et là. Ça va être très bien. Ça commence à avoir de la gueule tout ça. Il va falloir qu'on travaille un peu nos salles d'entraînement. Comment on va faire ça? En fait, on va détruire. Voilà, comme ça. On va faire ça. On va essayer de faire quelque chose à peu près centralisé. Non, on va pas prendre de mages supplémentaires. J'aimerais bien qu'on prenne plutôt un orc si c'est possible. Ça me ferait plaisir. Alors, ce qu'on va faire, c'est du wooden floor tout du long. Non, ça en met pas sur les tiles qui sont pétées. Ok.
Là on est bon, là on est bon. Il faut qu'on continue de creuser ici. Ça va être le grand dojo. C'est parfait. Vas-y, ils peuvent comme circuler autour. Là, ils vont creuser. On va continuer à mettre du floor. Un mort vivant à deux têtes, un zombie. Il est aveugle par contre. Non, on va pas prendre ça. On veut pas de mage. Le gobelin, il nous sert à rien. En sol, stone, stone. Je vais te mettre des carpettes. Là, c'est parfait. Et maintenant, on va mettre de la stone ici. On utilise un peu des ressources pour rien, mais bon, ça va être joli, ça va être cool. Oh! Toi, je t'accepte. On a oublié de mettre le principal. C'est parti pour les défenses. Ici. Hop. On va en mettre. Ah, il faut mettre des torches dans le. Installation torche. Ici, ici. Ici, ici, ça me paraît bien. Ça, on n'en veut pas. Une salle d'entraînement pour nos mages. On va faire une pause. Normalement, là, ils n'ont plus aucun ordre. S'ils doivent juste couper les. Ouais, c'est ça. Couper tout ça. On a combien d'orques? On a 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait, donc juste avec le dojo, on pourra supprimer toutes les autres, tous les autres demises qu'on a ici. On peut supprimer la salle de torture qu'il y a là. Donc, ordre. On va remove tout ça. Les deux qu'on vient d'installer et ces deux-là. Et nous, il va falloir qu'on parte en haut à gauche de préférence. Alors déjà, nous, on va creuser par ici. On va se faire une petite salle. Je l'ai fait de combien celle-là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et ben on va partir sur du 13. Ça paraît une bonne idée. Six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. Si j'ai pas de bêtises. On va faire pour nos mages, histoire qu'on puisse en avoir. En fait, je vais annuler cet ordre. On va. Les wooden demi, on va pas tous les mettre. Toi, on t'enlève, toi, on t'enlève. La torture, on va la réinstaller autre part. On va la réinstaller où? Dans la salle de torture, ça serait bien quand même, je pense. Comme ça. Alors eux, ils ont plus grand chose à faire. On va partir réexplorer un petit peu, je pense que ça va être important. On n'a pas de basic coughing de toute façon. Alors. Est-ce que les trois sont dedans? Non, les trois n'étaient pas dedans. Lui, il y est déjà. Il manquait quelques orques.
Notre keeper y est. Allez, c'est parti. On va sortir un peu. On est en pause. On va en profiter pour donner encore quelques autres petits ordres à ceux qui sont restés en arrière, les petits diablotins. C'est là où ils vont venir se faire fouetter s'ils ont des petits problèmes de morale. Et on va mettre deux potences. Là c'est vraiment tout ce qui est lié à la torture. Alors là c'est pour la bouffe, on est bon. Là on va avoir l'entraînement de nos mages. Il va falloir qu'on continue à développer les comment ça s'appelle, les lits, pour éviter d'avoir ce dortoir à l'entrée. Et il faut qu'on fasse une salle de craft. Je pense que la salle de craft, on va la sortir à partir du à partir de par là. Genre à faire quelque chose comme ça. Voilà. Là on est bon. Là on serait pas bon. Là on serait pas bon. Petite salle à 14 alors. Allez, une petite salle à 14. Ça va les occuper un petit peu. On va avoir de l'iron, on va pouvoir récupérer un petit peu de pierre et on va voir ce qu'on a au centre ici. Non, je veux prendre tout le monde, je veux pas juste prendre lui. Team, contrôle. Allez, c'est parti, on explore. On est en limite de map. Il y a des nains ici. On va peut-être pas challenge. On va peut-être pas challenge parce que les nains, ça va nous démonter. On n'est pas encore assez costaud. On a pu voir. Hein. On s'est fait démonter les coups précédents. Ok. On va nettoyer tout ça. Du blé, ça c'est bien. C'est vrai que le fait de gérer la nourriture, de pas gérer la nourriture, c'est un petit peu dommage. Ça forcerait à avoir des donjons un peu plus complets, si on peut dire ça comme ça. Ok, d'accord. Ok, on a tout exploré. Il nous reste des nains sur la map. On va quitter tout ça. Le Scroll of Fire est là. Très bien. Pillage, Triggered. On serait passé sur leur territoire? T'es sûr? Oh, je pense pas, non. Ça serait mal me connaître. Alors ici, d'un point de vue de ressources, on va faire du sol en bois ou en stone. En bois, on a plus de stone de toute façon. Ou en thune. Et je vais mettre une foutue colonnade. J'aimerais bien mettre de la stone quand même. Hein. Je peux en faire combien? 48 îles. Ça devrait passer. Alors combien il nous en reste après ça? On est à moins 2. On est à moins 2. Donc on va enlever celle-là. Et on est pile poil à 0. Donc on va faire le reste en bois. En parquet. Et on va mettre les librairies. On va foutre quelques torches, c'est important. À l'entrée.
Ça me paraît pas mal. Et on va mettre une foutue porte en iron pour éviter les pas une porte, plutôt une un portail, gate. Là. Combat expérience, ok. Ça touche un petit peu, ils sont à 28. C'est toujours moins fort qu'un nain, mais c'est déjà ça. Ils sont équipés donc sword et tout, donc ça c'est parfait. Hop. On est full en effectif, donc on peut pas recruter plus d'orques. Ok, on est attaqué par les Ok, c'est là. On a plus que 3 imps. Elle nous a buté un imp. On est attaqué par des fourmis. Ok, donc c'est des fourmis qui est ici. C'est fort comment? 36-20. Giant Ant Soldier. 36-20. Waouh. On va avoir besoin de notre équipe là. Et on va venir ici pour avoir un peu de champ libre. Voilà, c'est ça. J'ai un projectile magique sur la chef de tribu. On lui a fait quelques dégâts, ça c'est cool. On va repousser celle-là. Je crois qu'elle vient de nous incendier un comment s'appelle un orc. Ouais, un orc en un coup. Deux orcs. On a tué une. Ok, on a réussi à détruire la tribu. Allez, on va rentrer pleurer chez notre mère. La vache. On remonte à 4, c'est bon, on est à 4 diablotins. On est passé niveau 3, ça c'est parfait. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Si on passe en iron. Les zombies, succubes, Demon Shrine. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire Demon Shrine? Démonologie. Est-ce qu'on a accès à la démonologie? Non, je pense qu'il faut passer d'abord par l'Advanced Sorcery. Ok. En fait, c'est qu'est-ce qui pourrait nous permettre de nous débloquer un maximum de choses. Et je pense que l'Advanced Sorcery ne débloquerait que ça. Que si on prend le travail du fer, on pourrait avoir les Iron 2000. Donc ça, c'est pas mal. Et surtout, on pourrait faire des armures en fer. Et ça, c'est, je pense, c'est vraiment cool. On va partir là-dessus. On va essayer de se renforcer un peu. On a les Iron 2000 qui sont. On va les mettre. Voilà, on va faire ça comme ça. On a combien d'orques maintenant? On a 12 sur 16. Putain, je me suis fait empoisonner. C'est pas cool ça. C'est bon, je mourrai pas. Je suis juste blessé, il va falloir qu'un type me soigne. Et ordre, Fletch. Ouais, il se fait soigner, ça c'est parfait. Tac. Continue de creuser. Là on a de la ferraille, ça c'est pas mal. On va aller dans le craft. Ok, il faudrait qu'on fasse une forge, ça veut dire. Yes. Où est-ce qu'on va développer tout l'aspect forge, tout ça? Par ici, je pense. Ouais, on va le faire par ici. Hop. Comment on va
gérer ça. On va stocker l'équipement là-dedans. On va pas faire trop gros, on va juste faire surtout une bande. Comme ça, ça me paraît bien. Pendant ce temps, j'attends les Iron Dummy, j'aimerais bien nous renforcer, mais avec des ogres, des trucs un peu plus lourds, un peu plus costauds. Un healer, on en a un, on va en prendre un deuxième. Je pense que ça va pas être de trop. On va pouvoir remove ici tout ce qu'on a. Storage. Treasure chest. Là on est bien. Une petite porte. Les sas, c'est important les sas. C'est ça qui nous permet de nous sauver la vie. Et on va... Non, pas forbid. On va remove tout ça. On a 5 orcs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut enlever les. Remove construction. On peut enlever tout ça. Parfait. Qu'est-ce qu'ils font là? Allez les gars. Vous allez venir ici. Bon, que je perde tous mes imps. Je te tue. Voilà. Alors faire gaffe qu'ils nous emmènent pas trop loin non plus. On va hop partir du mode de contrôle. On a nettoyé la fourmilière, ça nous fait plein de petites pièces, ça c'est cool. Quoi cool. On va voir comment on se dépatouille avec tout ça. Bon, je vais arrêter l'épisode là, je fais un petit break, j'espère que cet épisode vous a plu, je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, bye bye et à bientôt.